Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rock. On va refaire le Royaume Doré avec les compétences à cible unique. Je vous l'avais promis, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, comment faire justement rapidement et quasiment à tous les coups les 20 étages. Donc allez voir, elle sera en description. Justement, sur cette vidéo-là, j'utilisais les dégâts de compétences en zone. Et là, du coup, on va essayer avec des compétences uniques, voir si c'est viable. Du coup, je vous mettrai en accéléré pour ceux qui veulent voir un peu toutes les étapes que j'ai effectuées. Mais pour les autres, on se retrouve en fin de vidéo pour vous expliquer un peu les bénédictions que j'ai prises. A tout de suite.
Voilà du coup toutes les compétences que j'ai prises. Ça, on a quand même eu de la chance, on est pas mal de compétences à cible unique. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas mal de dégâts de compétences en plus. Je crois que je suis arrivé quasiment, si je compte bien, 50-50. Plus ces petites bleues. Je crois qu'on arrive à peu près à 150 de dégâts en plus par compétence unique. Plus des boosts supplémentaires selon si je faisais des dégâts par des attaques normales, j'avais une chance de proc des dégâts de compétences. Donc ça, c'était plutôt pas dégueu. On a réussi aussi à avoir, c'est laquelle, une sixième troupe. Ça, c'est vraiment le must. Et aussi, on a eu l'ancrage. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est l'une des meilleures bénédictions que vous pouvez avoir. Ça va réduire de 10% la force de limite. Si vous arrivez à en cumuler 2, voire 3, si vous avez de la chance, c'est quasiment free. Vous allez être tranquille. Vous pouvez juste tuer les ennemis, récupérer les huttes de soins et vous êtes vraiment tranquille. On a aussi récupéré cette compétence. Bah, de toute façon, c'est la compétence qu'il faut si vous voulez tester en faisant des dégâts à compétence à cible unique. En gros, ça dit quoi? Ça dit que tous les dégâts de compétences qui sont en zone deviennent des dégâts de compétences à cible unique et que vous avez 85% de chance de l'utiliser 2 fois. Donc franchement, c'est vraiment pas mal si vous cumulez ça justement à les boosts qu'on a ici sur les dégâts de compétences à cible unique. Ça fait quand même beaucoup de dégâts que vous pouvez proc 2 fois. Vous avez vu justement dans le dernier combat le nombre de compétences que j'ai pu proc, c'était vraiment insane. On a aussi le petit boost de mid de rage, comme ça on peut proc directement les compétences. C'est vraiment aussi une super bénédiction. Et après, au niveau des épiques, je vous laisserai checker un petit peu si vous voulez voir un peu plus en détail. C'est pas les plus importantes, mais c'est pareil, on pouvait récupérer de la rage selon si une compétence avait proc, on avait 25% de chance. Et après le reste c'était pas non plus des folies, on avait de la réduction de récupération de rage sur l'adversaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après bon pour les bénédictions bleues, c'est vraiment du basique, je fous un ventre, donc j'ai surtout boost la défense, la santé, l'attaque. J'ai aussi boost un petit peu les dégâts de tout, enfin, les dégâts généraux que je faisais par rapport à mes troupes. Et aussi des petites réductions de santé, c'est toujours pas dégueu. Donc voilà les gars, je voulais vous faire ce petit épisode justement sur le royaume doré avec des compétences à cible unique. C'est plutôt sympa, ça marche peut-être un peu moins bien que les 4 compétences en zone, mais ça marche quand même. Donc si vous voulez partir là-dessus les gars, il n'y a aucun souci. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!